Question de charge, ça, il parle aujourd'hui seulement. Et Sophia Martelly était candidat. Et je crois qu'elle est tombée pour question de nationalité. Et si on t'a agréé le dossier, c'est que tu as été déchargé. Tu as un certificat déchargé. Non? Bon, je ne voulais pas. Non, mais je m'a demandé. Ça dit, c'est so, 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 oui, so, so, oui, question. Justement. Ça dit, pour qui ça? C'est aujourd'hui. Et que dossier ça est vini et sur la place publique. Moi-même, en réaction normale, je dis que pour des comptes, a produit rapport dans le moment où il estimait que il fait prêt pour rapport. Mm-hmm. Et par exemple, je dis à tout le monde dans que coup des comptes pour un rapport demain matin, en façon plus capable de connaître ça dans Petro-Caribe. Bon, le fait que coup des comptes pour couper, vous pouvez produire un rapport. Mais mm-hmm. pour le prêt que le produit rapport, tout le monde a pris connaissance de lui. Mm-hmm. Et il y a des gens peut-être qui sont déçus, il y a des gens qui sont contents. Moi-même, m'a dit au coucou des comptes pour du rapport ça m'a dit en toute sincérité mais pour premier monde qu'à Lille et moi regrette peut-être que comme c'est moi pour des comptes pour le bail en premier et peut-être n'cap pas président sénat encore mais s'il était voyé avant fin année là bien content pour que c'est moi même qui lis rapport ça mm-hmm. en premier pour des questions parce que j'ai besoin qu'on ait tout ça dans le rapport parce que l'homme garde le monde et certains détracteurs politiques du côté du sud-est, qui qu'on y a mis non moins dans la rue comme vol l'argent Petro-Caribe. Bon, alors, où est son non-sens? Il y a un nom et dosé, ni mettez non comme monde qui volait l'argent Petro-Caribe. Bon, là, son non-sens. Et il y a un nom, il y a la tortue, il mettez comme monde qui volait l'argent Petro-Caribe. C'est comme si le fait d'avoir été conseiller des trois présidents, eh bien, automatiquement fait de où? On volait l'argent Petro-Caribe. Bon, là. Attention. Est-ce que pas de des parlementaires qui ont des projets que y a exécuté? Tirer des Petro-Caribe à ce moment-là, ou ça n'a pas privé que concerné, ou bien que y a des firmes qui ont des contrats? Tout. Non, pas jamais gen ça. Moi, je n'ai pas de firme. Hein? Mm. Aucun film. Tout le monde met gardé, pas jamais un seul film. Tout comme Edo Zeni, pas jamais gagné un film. Pas jamais gagné contre Petro-Caribe, personne n'a pas dit, dans l'argent Petro-Caribe, etc. Eh bien, il y a Tata Wenon Joseph Lambert, et même qu'on a acheté 25 feuilles tol pour le compte de l'État haïtien. Mm-hmm. Alors, ni m'a gagné un film, qu'on a acheté même deux livres clous pour l'État haïtien. Au Palais National, quand j'étais aux côtés du président Martelly, Je me contentais, Yuri comme moi, de mon salaire de 143 000 gouttes par mois. Un point, c'est tout. Rien d'autre. Et je travaille pour lui, je travaille en pile pour 143 000 gouttes par mois. Mais bon, Gori, souprend là, leur parler pour tous les parlementaires, pour tous les sénateurs, parce que vous parlez pour tête ou? Non, je parle pour tête, moi. Je parle pour tête, moi. Mais quand tu as l'autre monde qui vient de faire un projet Petro-Caribe, par exemple, Yuri, je ne sais pas. C'est Yuri pour dire s'il a un contrat dans Petro-Caribe. C'est YZ qui vous dit qu'il y a un contrat dans Petro-Caribe. Mais moi-même, de toute façon, je connais. Question, côté monde veut spéculer sur moi, comme c'est 24 sur 24 à spéculer sur moi, ça n'a pas trop intéressé parce que ça qui est important, c'est qu'on joue tant qu'on joue dans l'Odia, lumière gagne pour faire, et la lumière faite, tout le monde a connu qui est blanc, qui est rouge, qui est jaune, qui est chocolat. Et peut-être que j'ai eu l'occasion de rencontrer Yuri La Tortue parce que mon bail est capsiculé concernant une université qui était gagnée et Gonaïve. Je connais Yuri Bagin et Langue de Bois, Yuri La Tortue. Donc, sénateur, l'a expliqué et sous ça tout. Et puis, même le ça pas fait, je pensais que et cours des comptes, Jean-Louis gère dossier, ça dit projet par projet, regardez moun qui t'a exécuté projet, regardez dépensant et puis pour lumière faite. Marie-Lucie, vous n'avez pas gagné que t'as content qui fait dans Petro-Caribe, pour peuple a bien un but de ça Petro-Caribe, et son bagage peut-être comme président Sénat, m'a écrit coup de compte. N'a dit coup de compte, lorsque la produit rapport ça, c'est pour produire rapport sous chaque centime qui dépense dans Petro-Caribe, même lorsque la garde des gestions font publique de façon générale, oui, de 2008 à 2016, jusqu'à la fin de privé et Inex. Et même à profiter pour me dire, nous sommes contents pour le peuple à lire en dedans Petro-Caribe, n'importe qui est garé capable de lire en dedans.
pour pas mettre un ken bagay qui trop technique pour moun bal chercher, etc. Faut que regarder dollar par dollar qui côté yo aller, qui ça le fait et dans qui moun que le dollar par dollar, tout ça le fait. Et puis mettez nos moun de côté en façon pour que tout moun capable de garder l'ombrique moun. En façon pour personne moun pas vinn di moi-même moi penser ceci ou bien penser cela pour tout moun clair et pour tout moun à répondre parce que pour cette consolidation que tu fait à un certain moment, tout comme à un certain moment, on procède qu'un ici, mais que les riz sont allés-y et autres, etc. Patati patata, le samedi, jeunes petits garçons, dans un procès pétro-caribéen, c'est un procès équitable et son procès qui gravé dans l'histoire pays d'Haïti. Sénateur Lambert, ma retourner. Et sous au point où tu mettais accent sous lit tout à l'heure par rapport à des personnalités qui à un moment donné t'es gagné des responsabilités un gouvernement ministre un directeur général et autres et yo indexé premier ministre yo indexé par deux rapports qui fait au niveau du Sénat de la République commission anti et corruption et que gagné des groupes qui présentaient Mounsayo comme des ça dit des moun qui étant coupables alors que c'est la justice qui gagne pour faire lumière sur ça, faut qu'on décision justice qui prend pour dire bon ça lui-même li blanchi, li innocent, ça le coupable, li pral payer, la promettre comme li pral en prison, etc. 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 Mais goba il faut souligner tout. Et Jean autorité responsable que ça arrive là parce que tout gens a viré quoi yo là m'a parlé de président de la République Jovenel Moïse des déclarations très maladroites était fait elle était en France là et après ça le l'a fait et l'autre intervention ici t'est clairement indiqué que gon volonté pour gon casser faire couvrir ça même au niveau de Sénat même si rapport yo gen faille mais gen des sorties qui t'est faite dans Sénat. Ouais, t'es un gens qui a fait, ça dit pour lumière, pas fait sous dossier. Et même nous, même que après un pile pression de l'opinion, nous transférer dossier, là, m'a pas la voix personnellement, et au niveau de la Cour des comptes, eh bien, si pas de pression, ça, il est là dans le tiroir, oui. Ça dit, nous avons une responsabilité, tout. Ça dit, c'est, nous allons dans l'extrême, non, et puis, opinion, adversaire politique nous yo aller dans même extrême nan. Si dès le départ yo te président dit bon ça moi même m'a engagé pour que la lumière fasse sous dossier et que nous te vraiment n'a travail pas d'abgé tout ça bon effectivement il y a eu des réactions bien des déclarations très très maladroites de la part de plus d'un et certains membres du parlement pas épargné tout il était créé doute et puis suspicion. Mais il faut dire, pour l'histoire et pour la vérité, il y a deux courants de pensée dans le Parlement. Il y a un courant de pensée qui te dit qu'il faut que nous prononcions sur les conclusions et recommandations de la commission dans la rapport. Et courant de pensée, ça, c'est comme quoi Mdakadio, d'office, c'est pour nous dire tout ça qui dit dans le rapport là, eh bien, est vrai. Et par conséquent, déférer la justice. Certainement. Votre qui t'a pas fait dans la. Il t'a ballon vote politique, c'est comme quoi Mdakadio, gagne, t'es vin gain doute et suspicion tout bon côté en pile collègue sénateur, par le simple fait gagne des noms moun qui patent là, et qui t'es là, qui sorti, gagne des moun qui patent là que vous mettez. Et par conséquent, gagne des moun même que vous pas ouais du tout. Alors que vous connaît que moun sa yo, t'as impliqué jusqu'au cou, en dans question ça, et tout bagay yo t'es sauté aux yeux, tout moun connaît question ça. Ou m choisi, m pa nommé non moun, m pa nommé non institution. Pour qui ça? Parce que moi-même, personnellement, m son moun qui ont des gens institutionnalistes et la présomption d'innocence, faut que moi toujours essayer et préserver. Deuxième courant de pensée qui t'a traversé dans le Parlement, et c'est une initiative que m'estime une initiative qui était correcte. C'était faire en sorte que le dossier ne soit pas traité politiquement parce que Parlement n'a pas qu'à convertir l'un à la fois en instance technique
alors que son instance politique nous dit automatiquement que on t'a voté pour les conclusions et recommandations du rapport de la commission, il y a des monde qui innocentent automatiquement. Et alors que nous n'avons pas une compétence suffisante pour faire ça. Nous dit par contre, si nous prenons dossier ça, et que nous gardons le bien, et que nous parlons ballon couleur politique, la meilleure, le meilleur comportement ou la meilleure des choses à faire, eh bien, c'est purement et simplement voyez le bail institution qui habilité à faire là. Et c'est sous deuxième option ça que nous allons. Mais le fait que doute et suspicion étaient en plané déjà, ou t'es ouais, dans l'opinion publique, tout le monde était dit, ah oui, je voyais le coup des comptes, puis au cas à l'intérim. Alors que dans voyez le coup des comptes, on a gardé en vie le dossier Petro-Caribé. Et c'est ça qui fait que je n'ai jamais dit, eh bien, population attend que instance technique qui a tiré conclusion et bah, des données véritablement des données vraies fiables sur sur question ça en termes de raisonnement d'analyse et autres etc. Eh et bien on croit que c'est institution ça même là encore l'institution ça fin pour du rapport parle parlement gagne parti rôle parle pour jouer mais la Cour des comptes gagne doit saisir la justice directement pour certains monde. S'il saisit pour certains monde, le doyen du tribunal civil, côté le saisit, plus particulièrement le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, eh bien, l'a gagné pour lui mettre pour saisir le cabinet d'instruction, d'identifier un juge. Et le juge l'a gagné pour lui rendre une ordonnance. Il est capable de prendre des non-lieux ou bien il doit lui-même choisir tout pour que lui voie des mondes à le juger. Et c'est après jugement seulement. Eh bien, vous êtes capable de condamner le monde. Alors, où est son bagage qui est long? Et même là, vous avez condamné le monde. Vous n'avez pas de possibilité pour faire recours. Et vous êtes capable de aller juste en cours de cassation pour l'atteindre, que ça me décale la chose, souverainement jugée. Et là, ça a cogné, nous, oui. Cela voudrait dire que c'est un processus que je dirais qui va être un peu long. Et. Papa ici, on t'a remé lui-même qu'on est bien vite. Et c'est ça que Nab dit, lorsque nous gagnons des institutions en d'un pays, nous, et que nous besoin renforcer, il faut faire confiance à ces institutions, mais il faut que le peuple a toujours été mobilisé, été véatif, pour ne pas prendre 6 pour 8, ou bien pour ne pas prendre Nanan pour Suzanne, ou bien pour ne pas prendre Anana pour Pingouin. Voilà, en gros, ma compréhension, en tant que président du Sénat, en tant qu'institutionnaliste de cette question de Petro-Caribe. Une petite précision, une petite clarification. Vous dites, après que cours des comptes, les finis à dossier, Parlement gagne Wally pour le jouer. Tout. Moi, je dis Parlement, au niveau, peut-être qu'il a joué. Expliquez. Si par exemple, je vais expliquer pour me dire, si nous avons des ministres ou bien des premiers ministres qui eux-mêmes sont capables d'indexer dans le dossier ça, et que dans le rapport favorable de la Cour des comptes à leur endroit, je ne vous dis pas quoi il y a lieu que la commission de décharge a tergiversé sous dossier Mounsayo, il faut que libérer Mounsayo automatiquement de questions de décharge. Vous pouvez là seulement ou le Parlement, ou le titulaire, après ça c'est la justice qui gagne pour le dire mot par là. Mais la grand risque, oui. Et me content des parlementaires ont dit que yo même yo pas lié en décision qui prend au niveau de cour des comptes, cour des comptes qui doit décider et ben ou personnalité ou ministre, entre ministre comme on a parlé de ça et qui tue, et puis yo même yo prend l'autre décision. Pour qu'ils nous obligent, comme son dossier extrêmement sensible, pour qu'ils nous obligent intervenir là dedans quand même. Parce que question des charges, là, vous avez de compétences, non? Oui, non, mais non. C'est nous-mêmes seuls qui doivent décider sur question des charges. D'accord, là, avoir. Pour comptes par rapport à lui. D'accord, avoir, oui, mais crête, là, pour nous dire nous-mêmes, c'est pour une décision politique. Et nous connaissons depuis qu'il y a un vote, depuis qu'il y a une décision politique, tout bas est possible. Oui, mais si le rapport là favorable, si le rapport est défavorable. Oui, bon, ça va. Le rapport non, purement et simplement dit que. Mon nom qu'on rapporte des favorables, mon dossier aussi sensible dans pour la Cour des comptes et tant qu'on peut tout arriver, je ne crois pas que le Parlement pour aller essayer de courir le risque pour dire que j'analyse ça fait là, ou bien réflexion ça fait là, il n'est pas ça.
l'État plus prudent que nous essayer de marcher sous quatre pour ne pas pire des cinq. Moi, je me connais. Le mal existe. Moi, je me connais. Le mal existe. De toute façon, oui. Bon, de toute façon. Bâton le bail. Oui, oui. De toute façon, je crois que nous beaucoup là. Mm-hmm. Et n'a prétendu que la Cour des comptes définitivement prononcée. Mais cependant, n'a pas gardé tout, il y a des rapports de gestion qui arrivent joindre nous déjà et qui favorable et certainement dans gestion ça et tu gain à la fois les fonds publics en général, tu gain les fonds publics en général, tu gain à la fois l'argent qui sorti dans taxes et autres etc qui t'a dépensé par des ministres et des premiers ministres, mais tu gain tout l'agent Petro-Caribé qui était en dedans tout. Mm-hmm. Peut-être l'agent ça a été dépensé, a eu quatre dépensé dans bonnes conditions. Tout comme, étant donné que dossier a autant globalement, il y a lieu que nous tendons que définitivement, et question ça a traité au plan institutionnel. Parce que des gens qui voulaient faire, c'est là où il y a traité question. Là où il n'y a pas qu'à traiter question. Là où il y a un droit insuffler en l'autre élan, non, attirer attention, autorité et institution. Pour que dossier ça paraît tombé, dossier ça lumière faite sur lui. Mais le monde qui doit traiter, ou bien instance qui doit traiter question ça, ce sont les institutions de notre pays. Nous pas capables d'être à chaque fois pour nous dire c'est là où il y a qu'à traiter, c'est là où il y a qu'à traiter. Là, ça donne l'anarchie. Et où dit, nous jouons des rapports déjà de Cour des comptes, vous comprenez, défavorable. Est-ce qu'il y a qui est défavorable d'où? Non, il y a plusieurs qui sont défavorables. Il y a plusieurs qui sont défavorables. Et dans plusieurs qui sont défavorables, il y a des. On est capable, c'est des anciens ministres comme des cadeaux, des anciens gouvernements. Ou bien des. À dire de 2008 jusqu'à 2016, ou capable qu'on ait, on passait 6 gouvernements et 6 premiers ministres. Et avec 6 premiers ministres, il y a plusieurs remaniements cabinet ministériel qui fait. Ou cas où il y a le ministre qui était passé dans la période ça. Alors, c'est un rapport qui me parvient personnellement, rapport que j'ai acheminé d'abord aux archives et en même temps pour me faire enregistrer, deuxièmement à la commission de décharge. Eh bien, pile dans le rapport, ça y est, sans citer de nom, eh bien, c'est des rapports qui sont défavorables. Il y a défavorable du côté de la Cour. Je me pose une question, justement, parce que Mdabdi, ça différent de déclarations ou conseillères et Cour des comptes est fait lors de conférences de presse. Le temps que ça est venu, je ne sais pas, ma population, ma auditorio, et précision. Et justement, merci Dominique, et quatre rapports. Mais ça, Marie-Nel Tafetia a dit concernant justement dépenses publiques dans la conférence de presse. Il y a quatre rapports qui déjà produisent sous situation financière PIA et question efficacité dépenses publiques entre 2003 et 2018. Et Madame Fetia a parlé de mauvaise gestion et des fonds du trésor public et surtout il déplorait que recommandations et coup des comptes faits, c'est-à-dire nous ne prenons pas en compte. Non, nous-mêmes, mais pas nous-mêmes qui vous prenons recommandations en compte. Nous gagnons pour nous, dans le niveau contrôle, long, pour nous mettre contrôle. Et pour nous produire rapport par nous. Là, on a fait contrôle, là. C'est wall long pour nous faire contrôle, là. Contrôle à tous les niveaux. Mais cependant, la technique que nous gagnons qui vous produit rapport pour nous, eh bien, c'est la Cour des comptes. Et là, la Cour des comptes produit rapport, eh bien, nous tenons compte de eux sérieusement. Durant ma présidence, j'ai reçu un rapport sur c'est un bail constitutionnel. Faut que la Cour des comptes, bah nous état compte PIA, état PIA chaque année. Et mais c'est un bah nous comme rapport, et rapport ça, nous mettons le disponible pour tous les sénateurs, tous les sénateurs gagnent. Il y a pas d'analyse et attendre au bon moment parce que bon moment pour arriver sur lui parce que qui moment parce que c'est ça par exemple l'offre gagne ça nous on va gagner par exemple question de budget on va gagner la loi de règlement on va gagner on va gagner la question de décharge on va tous les avis de la Cour sur la gestion des ministres et des premiers ministres à chaque fois que vous demandez des charges.
Et c'est ça fait à mon niveau, depuis mon arrivée dans le président Sénat, à chaque fois qu'un ministre ou un premier ministre écrit pour les capables de demander pour m'intervenir auprès de la Cour pour demander des charges de sa gestion, eh bien, premier bagage que je fais, dans les 10, 12 heures ou bien dans les 24 heures qui suivent, une fois que je n'ai pas connaissance de correspondance, ça, eh bien, c'est adresser une correspondance à la Cour et demander auditer gestion tel ou tel ministre qui m'a dit là. Oui, mais dossier ça yo, document ça yo, rapport ça yo, que nous gagnons maintenant, qui ça nous fait avec yo? C'est problème coup de compte ça, c'est ça, y a plein pour lui. Non, mais coup de compte a parlé de rapport d'audit, de rapport d'audit des ministres. Oui. Et c'est justement ça que nous-mêmes, depuis l'homme. Depuis l'année dernière, on ne peut pas que nous sommes président de la commission des charges, où nous avons commencé à prendre des initiatives, côté nous avons libéré ensemble de monde de gestion. Que nous avons commencé d'abord avec tout le monde qui a une prescription vicénale. Oui, mais bon. Nous avons fait ça. Et jusqu'à présent, nous avons tout le monde qui a une prescription vicénale. Et si vous souhaitez, je dois toujours, bien que la constitution barreau doit aller automatiquement, si vous souhaitez, je dois toujours. Passer dans le secrétariat général Sénat pour réclamer les documents que nous mettons disponibles pour la circonstance. Et tout le monde qui a gagné, comme déclaré, il y a un rapport de carence, nous avons prononcé nous tous sur certains, et nous avons encore une fois encouragé la commission des charges au niveau de la Chambre des députés pour que lui mette au diapason avec celle du Sénat pour que tout le monde qui sollicitait des charges de gestion et qui joignent avis ou des comptes pour que nous-mêmes nous capables de prononcer nous sur lui au plus vite. Parce que, et c'est ça que fait, moi, encourager une proposition, recommandation qui est faite par la commission de la Chambre des députés, conduite par le député Jerry Tardieu, sur cette histoire de rapatrier question des charges, là, retirer le monde politique qui s'est député avec sénateur, qui par moment a bloqué. Décharge monde parce que X ou Y pas un droit de décharge parce que le bois dans l'élection et qu'ils sont concurrents pour moi, eh bien, pour que nous retirions question ça et nous rapatrions, mettons l'autre côté et, au niveau de la Cour avec un simple avis du Sénat qui, avec un délai de 15 jours ou bien de 30 jours et autres, etc., pour que le monde soit capable de décharge. Parce que l'un peu anormal et même des fois révoltant. Pour joindre des mondes dans l'institution qui rendent l'État service, et puis pour et que le monde a un bien né qui gouve d'hypothèque, il n'y a pas qu'à faire aucune transaction sous bien né, même lors de l'hôpital, il mais vendre un bien pour être capable d'opérer et autres, etc., il est dans l'impossibilité pour faire, parce que ou bien des institutions, tant que Sénat ou bien Chambre des députés, qui ont même, pour des raisons politiques, eh bien, refusé de faire travail que la Constitution a pour faire. Alors nous-mêmes, nous pouvons nous parler. À gauche déployée, parce que débat ça que nous fait là, nous exprimer de façon publique dans nos dans certains discours ou interventions que nous fait dans les séances en Assemblée nationale. Gagner un conseiller Cour des comptes qui précisément que rapport sur situation financière efficacité dépenses publiques destinées au Parlement, non, un problème pour ça, c'est une exigence de constitution, mais même dit pour qui ça? Le grand public pour ça nous prend et nous serrer le côté et puis nous sortir Jean Dia là Joseph Lambert au bon moment ça dit là des rapports et sorti et comme ça t'as dû publier par exemple sous site Parlement et sous site Cour des comptes là et puis pour le grand public li au courant de ça pour qui ça c'est nous mêmes qui décider qui les pour nous sortir rapport. Bon, si vous avez un point, vous faites une suggestion, ça, là, Marie. Et peut-être vous mettez des idées dans la tête, et peut-être une occasion, sur base réflexion qu'on fait là, pour des rapports qu'on s'est sorti, eh bien, pour nous au moins faire un débat sur lui, en assemblée, pour permettre que, au moins, la population informée de ça, des éléments qui contenus dans le rapport, ça. OK. Et sont bonnes idées, et que moi, prenne note sur ça, et n'a fait de notre mieux pour que, au moins, nous sommes dit noir, on n'est pas tombé dans un rayon monde qui saute. Bon, et le conseil a réagi encore. Il dit le Parlement doit réagir sur le rapport et le rendre public. C'est sa constitution, dit.
Ça dit là, c'est tout simplement un manquement. Non, même pas quoi, c'est écrit nulle part dans la Constitution. Et ça allait dire. Monsieur le conseiller et réagit. Et n'a retourné en attendant nous toujours sous et cours des comptes là et toujours nous toujours sous et sous dans ces Petrocaribéa nous y est là que son mauvaise gestion des fonds du trésor public. Mais c'est là côté comme Petrocaribéa. C'est ça question arrive ici. Sénateur, son question regardez tout le monde là et campé. Oui. Donc question d'actualité. Regardez, c'est une question qui est judicieuse, c'est-à-dire, ouais, bah, là, on manque un mélange là-dedans, tout le monde, c'était même fort lumière faite sous lui. Premièrement, bonjour, position, et sous bas, ça, premièrement, fond compte combien cob, parce qu'on n'a pas quatre chiffres, cap bail, 3 milliards, 2,5, 1,8, combien cob qui cob là y est vraiment. Et puis, regardez qui j'en t'ai dépensé. Et, bon, bah là, c'est projet par projet. Et puis tout le monde a un projet dans le monde. Et puis on dit voilà. Et puis, il n'y a pas de cité dans le monde mal. Ou même, parce que, il y a des gens actuellement là qui n'ont pas ça. Il y a des là, et c'est pour diriger l'opinion. Vont groupe monde. Vous comprenez? C'est ça, nous ne parlons pas. C'est ça, nous ne parlons pas. Parce que, bon, situation qu'on a développé là, Marie-Lucie. C'est comme quoi, M. Tadio, il y a des gens qui ont besoin, j'en dis à utiliser propre mot pour là, diriger l'opinion. Mm-hmm. Choisir pour dire, Marie-Lucie Bonhomme, Petro-Caribé, X, Petro-Caribé, Y, Petro-Caribé, Joseph Lambert, Petro-Caribé, et puis, opinion, approprié de ça, et puis, il dit, nest ça, son volet, il y a l'argent Petro-Caribé en amène. Alors que, il y a des gens qui ont gagné l'argent Petro-Caribé en amène, qui ont orienté les gens sur l'autre piste pour détourner l'attention. En façon pour être capable de dire même yo sain la Petro-Caribé yo pas manger l'argent Petro-Caribé alors que peut-être c'est eux même tout qui mange l'argent Petro-Caribé. Il y a des monde tout qui a décidé choisi pour dire monde ça tout volé. Ah Wilson Gallo est un voleur, X est un voleur, Y est un voleur. Pas arrêter pour me dire ça mes amis. Moun yo éliminer monde trop facile ici, détruire monde trop vite ici et puis plus on y crée constance sans conclusion instance technique là. Sans qu'on juge pas prononcer les bouquets en déclarer mon nom volé. Moi-même, ça, je n'aime pas. Pour qui ça? Parce que tout le monde est famille ici, tout le monde est petit, tout le monde est bagaille. Mettez-nous sous place publique et puis dit que c'est voleur. Déjà, il y a un dit où sont volés et dans l'opinion où passer pour voler alors que vous ne doit pas en voler. Alors, mais alors que vrai voleur, il doit couvrir un côté et puis. C'est leur rapport à sortir ou arriver sur lui. Et puis c'est leur ça, on a dit, oh, mais tourner, à pas net ça, c'est lui-même qui vole. Je ne veux dire, pour moi-même, tout le monde doit bénéficier de présomption d'innocence. Personne ne doit pas prêter au monde du droit. Même lorsqu'on indexe, on doit dire, attention, en tant qu'institution, nous avancer et pour que la justice sévit contre Monsao comme cela se doit. Bon, on va écrire les petits challenges là, mais tout du feu, d'arrêter l'autre bail, mais n'a mis quoi, m'a dit, non, pillez-nous. Et tout responsable, que ce soit Cour des comptes, que ce soit au niveau de la présidence parlement, et m'espérer, d'abord dit peut-être, pas pour retirer peut-être là, m'espérer que ça capable de faire nous et avancer et faire lumière sous dossier ça. Gagner meilleur ennemi, Guichard Doré, et qui dit que Sénat pas qu'à saisir la justice. Là, il finit de recevoir un rapport et cours des comptes. Il était dit lundi sous Vision 2000. On a invité du jour avec Darbouze. Il dit nous pas qu'à saisir la justice. Non. Oh bien, cours des comptes va saisir. Je suis content. Cours des comptes, conseiller a pris note. Comme Richard Doré, il parlait ex-cathédra. On vend comme toujours. Bon, je te promets hier que je ne vais pas parler de dire encore. Et parce que nous t'ai parlé dans le téléphone. Mais et demain, nous avons parlé là, Richard Doré, avec Richard là. Avec vous parler là? Non, parce que même quand nous Richard Doré, parce que l'autre dit Richard Doré, dit, mais c'est à qui est-ce au juste? Richard. Richard oui. Ah bon? Non, et Richard, pas... Richard m'a dit Abdi. Non, Richard. Ah. Même de faire esprit, oui, avant, il y a fait esprit de Richard Doré. Je suspecte ça, même. Vous dites qui est-ce que c'est? De faire esprit de Richard Doré. Maintenant, dit Richard, Guichard, que je suis bien content qu'il dise ça là. La Cour des comptes tendait. Mais la Cour des comptes a évité
mettez un grain de sable encore dans soulier nous. Mm-hmm. Et la Cour des comptes a fait suivi directement. Ça dit tout voyait la justice. Là tout voyait devant la justice. Mm-hmm. Et puis quand ça l'a évité à Sénat, on grain de sable on coup de dit encore en pile parce que la question Petro-Caribé, l'arrivé dans côté nous en bas. Et nous même comme institution parlementaire, bien que faut que nous jouions rôle non, sans crainte, sans peur et autres, etc. Mais la réalité, c'est que lorsque dossier sensible ça ou non, mais et qu'on a assemblée politique, tout le monde pensait que politique et politiquement on va gérer. Alors il y a mieux pour que Coudet contre son instance technique, eh bien, il a fait ligne droite avec. Il n'a pas besoin de faire transit Miami. Il met aller New York tout droit. Sont à Haïti à New York. Éviter transiter par Miami qui était parlement. Il n'a pas besoin de mettre patate chaude là, non, mais nous. Non, il n'a pas besoin de mettre patate chaude, non, mais nous. Fais l'aller. Et comme Richard Doré m'a découvert des comptes, l'on finit avec dossier, avouer la justice directement. Alors, bien content, Richard, ou bon, mon bon conseil, et pour une fois. Et ou avouer dossier, coup de compte, mais avouer dossier directement la justice, et puis tout le monde peut aller sur eux, il va aller sur eux directement. Ça, c'est proposition Guichard Doré pour. Le conseiller du président. Le conseiller du président, peut-être qui sait. C'est donc peut-être le président qui dit Michel ça. Et avouer dossier directement la justice, pas aller dans le Parlement avec lui pour que le Parlement pas obligé à traiter lui politiquement. Et il y a l'autre question là, il y a un auditeur qui dit, mais pour qui ça dès le départ, et Sénat n'a pas demandé coup des comptes, qui c'est bras technique, li, pour enquêter en lieu et place et commission. Est-ce que sénateur La Tortue dit pas commettre un droit d'initier, le publier un ouvrage et sous question ça qui en débat? Bon, là encore, moi, je dis, il y a un point de vue sur question ça. Point de vue sur question ça, c'est que, il n'y a pas de publier un ouvrage de sitôt. Mais cependant, l'île libre tout, comme il y a, bon, en plus, dossier pas dossier de lire. Et c'est dossier parlement. Il dit que, par contre, il était doré de temps que dossier ça a fini net pour le publier ouvrage. Ça, c'est un point de vue. Mais cependant, en tant que sénateur, l'IFELI l'a pas assumé et l'a pas assumé pour compter. En question ça. Bon, ça c'est deuxième considération. Troisième considération, hein, pour qui ça Sénat lui-même l'IPAT saisit la Cour des comptes au lieu que le mette en commission travaille sur question. Nous dit nous avons une commission éthique et une première rôle nous gagnons, c'est que nous avons un rôle de contrôle. Peut-être. Contrôler sous gestion sous fonds Petro-Caribéa par commission d'éthique là aboutit à résultat ça yo et nous même bon côté pas nous choisi pour que s'il était biaisé au départ ou bien s'il dépassait compétence nous parce que nous rendons compte que gain instance qui l'a pour traiter question hein, et bien nous corriger le quand même et nous avons gardé en vie Petro-Caribé en choisissant de transférer ce dossier devant la Cour des comptes. Bon, ben, tout l'ancien invitation pour Youri La Tortue là, sénateur La Tortue pour demain matin. Et ben, sénateur La Tortue, vont-ils notre main? M'a tout annoncé et l'homme fini là. L'autre question encore, l'autre président président l'autre et commission anticorruption, sénateur Beauplan, lui-même qui publie des extraits de audition moun qui indexé dans le rapport. Est-ce que il y a droit à ça? Bon, c'est la même chose, parce que le travail que le fournier n'est pas pour lui. Le travail que le fournier, c'est pour nous que lié. Peut-être dans la présentation dossier à part devant Sénat, l'État a un droit pour édification publique, là, passer des extraits et autres, etc., pour le présenter par sénateur, parce que la commission travaille pour l'Assemblée. Mais une fois que l'Assemblée a fait une fois connaissance de dossier et puis le transférer des devant qui de doit, eh bien, extrait ça yo supposé rester dans l'archive et yo capable de consulter à n'importe quel moment pour les besoins de l'enquête. Moi, je crois que là encore, sans vouloir les prendre à défaut, yo t'es capable de faire retenue là-dedans. Mais lorsque, par exemple, yo capable de trouver une situation de force majeure, qui m'a dit bon réaction par rapport à un quelconque
situation qui présentait, il y a un droit à long cliché, puis au bail, bon, même à bio. Mais son dossier qui, attention, son dossier qui est en cours. Ouais, son qui dossier qui est devant la justice. Son dossier qui a instruit beaucoup de coups de compte, non, c'est une taca, quoi, ça, ou bien, une enquête qui a fait ce coup de compte, à un certain moment, il gagne pour l'instruire. Et à un certain moment, on peut c'est quand même quelqu'un pour faire ce que je veux. Après, tout le monde a besoin de bailler tête, pas besoin de leurrer tête. Le procès de Petro-Caribé aura lieu à n'importe quel moment de la durée. Okay. Parce que il n'est pas capable de finir par un procès. Mais, écoute, c'est assez dilatoire. Parce que le procès a fait tout dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, bon. Parce que le avocat n'a pas de jouer dans ça. C'est là qu'il y a un problème. Tout. Est-ce que, mes questions maintenant, et pas qu'il y a un consensus dans la société pour que nous fassions lumière sous ça et que nous fassions de façon, bon, je vais dire de façon célèbre, parce que je pas dire son procès qui bâclé, parce que gagné et en jeu à lui-même, un jeu extraordinaire. Mais pour éviter le dilatoire, qui est-ce qui est capable de faire? Bon, le Sénat est hors jeu pour l'instant. Non, mais je pose une question à citoyen. Citoyen Lambert. Marie-Louise dit toujours que j'ai la pouquée, j'entends. Alors, la réalité, c'est que, effectivement, plus vite que ça t'a fait, plus vite que peuple haïtien t'a content. Le peuple haïtien, les besoins qu'on a, ça passe dans le pays. Moi-même, comme citoyen, les besoins qu'on a. Il y a des gens qui ont mis des noms, etc., dans le Petro-Caribé. Ils ont mis des photos, ils ont affiché des noms, etc. Il y a besoin qu'on a. Il y a des gens qui prennent plaisir par le fait qu'ils ont face à un groupe politiquement. Et c'est ça qui fait à certains endroits dans le pays, en particulier dans le département. Et puis, afficher non, mon, mais voler Petro-Caribé. Elle veut dire que, comme nous avons démocratie, une liberté d'expression et autres, etc. Mais à un certain moment, il faut gagner des balises d'où qui mettent pour que, bagaille pas fait n'importe qui gens. Où qu'on est l'élection à jouer dans Baïsa tout? Bon, Mabio, ce sont les éléments de discours de campagne pour certains groupes ou partis politiques. Et c'est ça qui fait, que il y a des gens qui, dans tout département, plus particulièrement au niveau sud-est, qui ont utilisé Petro-Caribé dans mettre nos gens, dans indexer les gens. Et comme quoi, lorsqu'on dit les gens dans le volet ou bien des bagages comme ça, etc., tout le monde ne sont pas des idiots que vous avez, et bien, ils apprennent pour vrai. Alors que il y a des gens qui ont affiché nos gens et autres, etc., nous avons retrouvé dans les archives et de certains ministères, plus particulièrement la planification, eh bien, des mouns comme ça qui étaient signés pour un chèque, et puis, nous, là, dans le bagage Petro-Caribé. Alors, nous-mêmes, tout, nous allons voir archives, bail, coup de compte, la justice, et autres, etc. Et là, ça, qu'on y a, n'a qu'on est, certains n'est qui n'a collectif, ça, yo. Eh bien, qui ça, ou le dire public avec l'argent, Petro-Caribé, que l'on yo. Alors, c'est une, madame m'a dit, nous pas les mélanger bagage, yo. M'ta préféré de préférence, que coup de compte fait, tout ça qui n'a pouvoir, s'il besoin comme en plus, dans le budget 18-19 là, dis-nous, et moi-même personnellement m'a pas engagé pour que nous mettions comme en plus pour lui, pour nous battre toute expertise nécessaire pour que lui fasse une enquête et bâle un résultat sans force côté l'argent perdu, à côté l'argent volé, à quel que soit le monde que nous connaissons. Qui gagne comme là, listez pour nous et puis assurez en rouge pour tout le monde connaît, mais qui côté l'agence ça y est, mais qui route que dossier a fait. Parce que peuple haïtien voulait qu'on ait, nous voulons peuple haïtien qu'on ait, pour que on fois pour toutes, eh bien, il y a des problèmes qui ne peuvent jamais répéter encore dans le pays ça avec l'agent, l'État. Et sénateur Lambert, moi, vous êtes en campagne de là. Non, bon, je sais bien, c'est j'entends. Où tu as répondu de mon Jacques là, tout? Ah, bon, on connaît. Moi, je suis glissé pour me trouver un message à Bayo. Même des raisons, même dit élection là, je là. Même pas un des droits fondateurs. Mais moi,
Cour des comptes, bon, m'a rappelé Mounio, ça, c'est que conférence de presse qui était faite avant hier là, et avec plusieurs membres et CCA, ils ont expliqué que il a fini un dossier en décembre, l'après, et il a voué le Sénat en janvier, mais où tout dit là, on va bien passer par Sénat. Voué la justice, et ils ont regardé dans quelle mesure qu'a fait ça. Bon, du château, il y a un bon conseil, ça. Vous comprenez? Des fois, il y a un pile mauvais, tout. Mais, Guichardo, il bon conseil ça. Moi, je m'absaisis tout à parler con pour me dire, Guichard, merci en pile. Et puis, je peux profiter de mon coup de compte. Je peux écrire, je vais demander autorisation à l'Assemblée pour que l'autre dossier a fini, pour permettre que je t'aille écrire coup de compte, pour me dire coup de compte. Tout ça qui relève de compétence Sénat, la saisie Sénat, sous lui. Mais il n'y a pas besoin de retourner un dossier encore. Comme nous avons demandé, s'il a capable de mais nous n'avons qu'à désister tout pour nous dire, fais suivi régulier que d'estimer que le dossier doit prendre une fois qu'il finit avec la parole. Il n'y a pas besoin même de lever le Sénat. Nous n'avons pas intéressé à dossier Petro-Caribé comme monde. Institution qui représente la population, pour que l'intéressé à dossier Petro-Caribé, parce que c'est un sujet d'actualité, dans notre logique de contrôle, bien rôle de contrôle, nous, faut qu'au moins nous connaissions qui ça l'argent fait, et comme nous-mêmes, nous avons doute sous lui, et par contre, qui l'argent l'argent fait, et nous constater qu'il y a des travaux qui ont commencé, qui n'ont pas fini, il y a des films qui n'ont pas fait contrat avec eux, films qui n'ont pas fini contrat avec eux, il y a de l'argent qui ont dit, il y a des projets qui sont facturés, il y a des gens qui ont dit qui fait ceci, qui fait cela, patati patata, etc. Il y a des gens qui sont dans la rue, qui gonflent les chiffres. Par exemple, si 12 stades qui coûtent 20 millions de dollars ou bien 10 millions de dollars, ils ont dit que chaque stade coûte 20 millions de dollars. Ça veut dire que toute lumière, ça, il faut qu'on fait. Depuis lumière, ça n'a pas fait clarification, ça n'a pas fait. Doute la persisté, suspicion à plat. Et là, ça a qu'on y en a dit, son suspicion qui t'apparaît légitime. Et ça ne pas le jour là, sous point d'affaire, c'est que, écoute, quand on a annoncé que y a des experts nationaux, et internationaux de cap travail et sous dossier, elle est très important parce que moun sa yo censé pas les étrangers yo pa konn moun yo, vous comprenez, donc il y a pi à l'aise pour yo traiter dossier parce que c'est sûr a gen en pile pression sous moun kou de kont yo là. Mais m'a dit ou honnêtement débat ça a été fait tout au niveau Sénat, gen des sénateurs qui t'ai dit pour éviter que gen force côté parce que pour des comptes, il t'a préférable pour que Sénat servi avec une expertise internationale sur question ça. Il y a des sénateurs qui étaient élevés pour eux, ils disent non, faut que nous renforçons institutionnel, faut que nous pas institutionnel rôle pour jouer au etc. Nous pas capable de consécuter coup des comptes. Et pour nous voir dossier bail coup des comptes et puis n'a pas encouragé coup des comptes pour lui capable adjoindre des expertises internationales qui pour permettre que l'y fait yo traiter dossier sans force côté. Alors là, je crois que et c'est pas la même occasion de dire tout ça que vous besoin dans la rencontre que nous avons ensemble avec yo dans le Sénat, nous avons dit tout ça que vous besoin comme moyens financiers et autres, etc. Nous prêts pour nous mettre dans le budget pour yo en façon pour assurer yo que le travail yo fait son travail fini et son travail qui gagne en touche technique, non politique, en opéra. Mais quand est-ce que la prédeur et blason, elle a fait ça tout? Oui, mais... depuis quelques temps, par contre, au compte, bon travail très très sérieux que l'a fait, mais en même temps, tout, gagne des bagailles que mon petit gens des fois très critiques sur le coup des comptes, mais c'est du passé. Mais cependant, mon travail, ça, spécifiquement, tout le monde a prétendu que coup des comptes fait un travail sans force côté. Faut que coup des comptes, tu pas peur. Pour dire, si Lambert dans Petro-Caribe, mettez-nous Lambert. Si Michel Matéli dans Petro-Caribe, mettez-nous Michel Matéli. Si il y a des projets qui étaient faits avec Lambert, non, et Fimni et autres, etc., cherchez même conduire des enquêtes pour voir si pas une connexion côté quelconque que l'agence a détourné. Et puis les comptes en banque, leur virement fait, contrôlez virement, yo. Leur sorti là, qui côté là, c'est Wall Ukraine. Et autres, etc. Faut que Ukraine mélange en deux questions, ça. Pour regarder leur virement fait sous compte. Parce que vous n'avez pas prendre 4 valises comme, ou bien 25 valises comme, pour prendre, pour porter le bail, et on filme. Ça, c'est un blanchiment. Certainement, son virement est fait pour vous. Si vous faites un virement pour vous, leur cob est sorti, faut qu'ils allons de l'autre côté.
Si on prend l'argent cash, faut qu'il paraît sous nos monde. Par conséquent, on a tout moyen pour contrôler les questions ça net, pour être jusqu'à qui côté que l'abouti et dans qui compte que l'abouti en d'un pays ou bien à l'étranger, si effectivement il y a eu détournement. Mais pourquoi est-ce que c'est sérieux pour nous bailler tête dans travail que n'a fait hein? Mais pour nous bailler tête nous sérieux hein? C'est pour une population ou bien des pêcheurs nos troupes ou bien des politiciens malhonnêtes pas obligés depuis Kounia là à venir dire mais qui est-ce qui volait parce que purement et simplement une campagne de destruction politique systématique qui a fait pour X, Y, Z et autres, etc. Ou bien des gens qui raillent au monde, ou bien qui envient au monde, ou bien qui ont un compte personnel avec au monde, et puis qui a mis non ni dans la rue, affiché non. Même ça, je n'aime pas. Et Joseph Lambert, auditeur qui réagit là, il dit le procès ne saurait être célèbre. Il y va de la réputation des gens. Le procès doit respecter tous les principes de droit, notamment les garanties du procès équitable consacrées par les normes de droit international, des droits de l'homme. Je suis pour le procès, mais un procès respectant les normes de droit. Je suis d'accord avec elle, parce que tout à l'heure, m'a dit, et c'est là, me freine sous lit, mais faut éviter dilatoire tout pour faire barre la pour paquet de temps ou un. Oui, faut nous éviter dilatoire, faut que nous fassions ça avec célérité, même plus de respecter nos mieux, et tout à fait d'accord avec l'auditeur, ça, je d'accord avec lui à 500 000%. Parce que, nous pas voulons pour mon mieux à faire barre, il faut se côté tout, et autres, etc. Parce que, je m'en bats pour éviter, Marie-Lucie. Je ne pas capable, pendant que je me dis un procès équitable, je finis pour juge là, c'est ça là où il a dit le faire, ou bien dicter là, ils sont là où il a, oui. Pour dire, oh, pour l'opinion. Moi, pour l'opinion, certes, mais cependant, nous gagnons des éléments dans mes mains qui pour permettre que ou produit comme tu as dit produit des réflexions et puis tirer des conclusions. Mais ça doit être fait de manière scientifique et au regard des lois de la République et des lois internationales et scène internationale. Alors je n'ai pas dire nous pas capable de pour nous dire par le fait que gagne 250 monde qui marchent en côté et puis qui dit Caribe Bolchal, volé. Et puis, juge d'un juge du patron des peuples à Déo, peuple a dit Caribe Bolchal est volé. Et puis, vous le dites, condamné. C'est pas normal. C'est sur la base de dossiers, des faits et autres, etc. Et puis, au regard de la loi, et ça fait même content et m'apprécier intervention auditeur. Non, mais nous faut-il parler là de président de la République, là, par rapport à dossier, à Jodia, à Femdjou. Et pas grand pile monde qui t'a aimé dans place. Jodia là, qui chouette, parce que les mêmes, il y a un pile pression par rapport à l'entourage. Il y a un monde qui cite, qui a travaillé avec, qui était mal bon gens soutien pour le vin président de la République. Mais là, ou pas conseiller Jovenel Moïse, mais Jodia, monsieur ça, qui ça le cas fait face à ça regardez gien l'histoire gien j'ai moun yo k'ap gade l li gien bon pa ka di li gon mandat on va me dire qui déjà hypothéqué mais si gien un bagay pour le faire non là pour on dit sauver mandat là parce que on dit au procès fait gien restitution cobla et la passe grand dans l'histoire. Bon, je crois que le président Jovenel, au départ, ce dossier a été intervention que l'on a fait à Paris, hein, c'est lui-même qui j'étais suspicieux avec d'autres sous volonté. Là. Et je crois que lui ressaisit et il a compris. Même lorsque le TAC apparaît tiraillé, peut-être qu'il ça parce que le camp politique qui lui-même mène au pouvoir, eh bien, c'est une. C'est un trois présidents qui t'est passé et qui t'est dans gestion Petro-Caribéen. Cela voudrait dire, en des termes clairs, je ne vous dis pas, c'est un content que position président, je ne vous dis pas clair sur question Petro-Caribéen parce que le président dit, bye pour mes ministres. Mandat pour que question ça l'y traite. Et c'est Wally Kounyala pour le traiter. Tel dossier ça, parce que c'est deux mandats précis que le Premier ministre a gagné, organiser l'élection et puis assurer que le dossier Petro-Caribéen allait faire route lui sans force côté.
Alors là, moi-même, en toute sincérité, je ne comprends pas la position du président Jovenel. Parce que des gens qui te supportent, il y a des gens qui là, moi-même, ta président, ou qu'à comprendre, je suis président de la République aujourd'hui, et puis je suis conseiller président Martelly, et puis il y a un ensemble de monde qui était proche président Martelly qui était dans le gouvernement, et puis qui mélangeait dans le dossier Petro-Caribéa.